grève de la 10e année, la première victime lors des manifestations sur le CNRD. C'est déplorable. Hier, je l'écrivais au conditionnel, mais c'est très difficile de passer voir sa famille violée et tout ce quartier à l'arme. Et c'est des trucs qu'on a vécu des années. Quand je vois la route de Benz, je me dis que cette route de Benz a beaucoup apporté pour la vie. Mais aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Ça ne doit pas continuer encore des Guinéens. Surtout les jeunes, comme on aime le dire, c'est le futur de la Guinée. C'est déplorable déjà l'augmentation du carburant. On sait que c'est une crise mondiale, mais on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, nous sommes en phase de transition. On doit faire beaucoup d'efforts pour la Guinée et pour les Guinéens. Parce que les gens qui sont dans la comparaison, désolé pour eux, quand tu parles de la France, quand tu parles des autres pays, ils ont les trains, ils ont les moyens de transport, ils ont les bus. Vous comprenez? Ici, nous ne l'avons pas. Donc l'État doit se sacrifier. Ça, c'est d'une part. Et deuxièmement, aujourd'hui, le ministère de l'économie et les départements partenaires alliés à ça, ils ne peuvent pas monter le carburant sans discuter avec les partenaires à l'appui, tels que le patronat et le syndicat, et même consulter le CNT. Moi, je suis membre du CNT, le Conseil national de la transition. Donc, c'est important qu'on fasse les choses de façon collégiale. Parce que si cette transition échoue, j'ai fait partie des personnes qui ont échoué. Et c'est pas bien. Aujourd'hui, le plus grand rêve pour moi, qu'on sort par la grande porte. Et c'est le moment d'en appeler au président de la République. Par le passé, il y a quelques années, on peut avoir des morts sur l'axe ou partout en Guinée. Aucune autorité ne se lève et allait vers les gens. Mais si le président de la transition faisait le premier pas vers cette famille, ça apaise les guerres. Au lieu de venir vers la famille, pourquoi on tue ? La question, considérant que ça s'est passé. Aujourd'hui, on veut créer la différence. Par exemple, considérant la différence. Moi, déjà, je suis contre toute théorie. C'est pourquoi je suis venu s'habiller en tant qu'être humain. Je suis contre toute exaction. Que je sois au CNT, que je ne sois pas au CNT. Je suis contre toute exaction qui se passe sur les populations. Ça, je le suis et je l'assure mordicus. Vous êtes en tant que Diallo Mohamed Lamine. Parce que je suis fils de cette commune. Je suis fils de la Guinée. Quand un Guinéen meurt, ça m'interpelle. Donc je viens saluer. C'est pourquoi j'ai enlevé le Macron que j'ai en tant que membre CNT. Vous comprenez? Je suis venu saluer en tant que fils, en tant que membre de famille, en tant qu'ami, en tant que jeune. Parce que je suis de cette commune. Et j'étais dans ces mouvements. En quelques années, une balle pouvait me toucher. Oui ou non? Eh bien, Hamdallah, si je vis, si une personne se blesse ou meurt, je dois venir aux ressources. Et c'est ça. Et c'est important que l'on comprenne. Encore une fois, il faut que les choses changent. Aucun Guinéen ne doit mourir parce qu'il a revendiqué son droit. Aucun Guinéen ne doit mourir parce qu'il a dit ce qui ne le plaît. Nous apprenons que ce jeune-là n'était même pas un manifestant. Il y en a eu plein qui sont morts comme ça. On dénombre plus de 200 personnes qui sont morts. Moi, j'ai fait médecine. J'ai aidé Dr Taibata qui aidait des jeunes. Il y a des jeunes à Koza où les balles les ont trouvés au lit. Vous comprenez? C'est des choses que j'ai vécues. J'ai aidé à la clinique de Dogomé de Koza parce qu'il est chirurgien professionnel. Maintenant, si les cas comme ça se posent, moi, je souhaite humblement que le président de la transition et tout son gouvernement vient vers la famille parce qu'on a causé un tort à une famille. Donc il faut oser le dire. Donc quand le tort est causé, il faut venir vers la famille et faire une ouverture d'enquête. La personne concernée, qu'il soit arrêté, qu'il soit mis dedans. Et l'exemple, on peut montrer là l'exemple. Et ça, je le tiens mordicus. Merci. Merci beaucoup.